Le roi, c'est Amélie. C'est la présidente. Aux échecs, le roi, il peut que se défendre. Voilà, il n'y a pas d'attaque possible. Et elle est la cible de tous, donc c'est elle, le roi. Ah, la reine, c'est Rigvart. C'est lui qui est capable des mouvements les plus imaginatifs. On ne peut pas condamner deux fois quelqu'un pour les mêmes faits. On ne peut pas. Le fou, ce serait Christophe Mercier. Mouvement en diagonale, voilà. Le cavalier, c'est Michel Vidal, parce que ses mouvements sont imprévisibles en deux temps. Difficile de comprendre pourquoi il fait son mouvement dès le début. Michel Vidal. La tour, elle a une puissance, mais en même temps, c'est un peu fragile. C'est Lionel Chalon, c'est le Front National. Virage à gauche, virage à droite. C'est Cyril Balzan, c'est celui qu'on sacrifie. J'ai décidé, dès après cette allocution, de quitter définitivement la vie politique. Mercier. C'est Amélie, c'est elle qui bluffe, souvent d'ailleurs. Rigvart. Mais Rigvart, en fait, il y a toujours les mêmes trucs. Il fait l'union de la gauche, il est socialiste, il change. Il dit qu'il est plus socialiste, mais en fait, tout le monde sait qu'il reste socialiste, donc Rigvart change jamais de tactique.